Yo les potes, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc sur cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner une manette de PS5 en pixel art. Avant de commencer la vidéo, donc j'ai repris le pixel art sur ma chaîne YouTube, voilà. Donc si c'est nouveau Noël, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche des notifications, parce que maintenant je vais faire plein de vidéos pixel art qui pourra vraiment vous intéresser. Alors comme matériel, il vous faudra du noir, du bleu, voilà, donc là il y a les numéros pour ceux-là qui ont des feutres à alcool, et bien sûr du BG5, donc c'est un gris assez stylé. Donc on commence pour la vidéo. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord démarrer les contours, voilà, donc c'est grave simple. Alors en fait, ce que vous allez faire, c'est que là, ici, vous allez faire des traits, d'accord? Parce qu'en gros, la manette de PS5, en gros, de côté, elle a pas vraiment de... Elle a pas de... En fait, le côté, il est blanc, voilà. En fait, 1, 2, 3, 1, 2, en ce moment-là. Ensuite, ce que vous allez faire, ça. 1, 2, 3. Hop, 1, 2. Voilà, donc vous pouvez mettre sur pause, hein, si vous avez vraiment du mal à suivre ou des trucs comme ça, vous pouvez mettre sur pause. Voilà. Ensuite, là, il y a vraiment tous les points, hein, donc voilà, vous pouvez compter. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, il y en a 19. Voilà, donc là, on va lâcher un trait assez droit, sans la règle. Voilà. On descend. Donc en tout cas, on refait la même chose de l'autre côté. Oh, j'ai cru que je me suis trompé parce qu'à un moment j'ai dû effacer parce que je me suis trompé de côté. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez descendre. Descendre. Hop. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est quand vous allez au moment ici, vous allez remonter, bah là vous allez dessiner le carreau noir. Donc là, vous allez dessiner tous les carreaux d'en bas. Donc là, vous avez aussi dessiné de l'autre côté, hein. Voilà. Voilà, il y a eu un petit bug. Et voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le feutre bleu, donc voilà, le 63. Celui-là qui veut le nombre. Donc là, ce que vous allez faire, c'est qu'on va, alors ici on va déjà faire du 2, ok, là on va descendre tout en bas, ok, bon là on fait la même chose, voilà, hop, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, là, en gros, ce que vous allez faire, c'est que là, on va faire ça. Hop. Voilà, c'est pas grave, hein, si j'ai vrillé, c'est pas grave, parce qu'en gros, là, il y aura toute une zone noire. Voilà, mais d'abord, on va d'abord dessiner les joysticks, et après, on va faire ça. Ensuite, vous allez faire, c'est que vous allez faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, et 1, 2. Voilà, donc en gros, on va dessiner le joystick. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez me faire la même chose de l'autre côté.
Après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dessiner un genre de petit carré juste au milieu. Voilà, donc on va pas dessiner le logo PlayStation parce qu'en gros, on le verra pas bien à cause du noir. Donc vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc pour l'instant, donc ça donne déjà une bonne petite manette, mais c'est pas fini. Alors ce que vous allez faire, c'est que là, en gros, donc là vous allez monter comme ça, donc vous allez ajouter un carreau de plus. Voilà, là vous allez ajouter deux. Hop. Là, on remonte. Voilà. Là, on fait la même chose. Hop. Et on refait la même chose de l'autre côté. Après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dessiner tout l'intérieur en noir. Ensuite, vous allez ajouter un petit trait noir qui est juste au-dessus. Là, un petit trait noir qui est assez cool. Et du coup, là, vous allez faire 1, 2, 3. On descend. Là aussi, on descend. Ensuite, on fait 1, 2, 3. On descend. Donc là, on fait comme ça. Après avoir fait ça, vous allez mettre des traits comme ça. Comme ça, après ça vous prouver que c'est bien les vrais joysticks. D'accord. Et de l'autre côté, on va refaire la même chose, d'accord. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter deux traits, comme ça. Voilà, en coloriant en noir. Et là, vous allez faire un carré, vous allez dessiner un triangle. Un carré là. Vous allez dessiner un cercle. Ensuite, un carré là-dedans où vous allez dessiner un X. Et un carré juste à côté. Vous allez dessiner un carré, voilà, logiquement. Voilà, donc ça va donner un truc comme ça. Et avant de terminer la vidéo, alors ce qu'on va faire, c'est que pour que ça fasse vraiment une manette de PS5, donc là vous allez prendre le milieu, d'accord. Hop, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ça. Et là, voilà. Là, vous allez refaire la même chose, mais de l'autre côté. Voilà, c'est vraiment tout simple et voilà, tout basique. Ok. Juste pour que ça donne de l'effet. Voilà, j'aurai un petit bouton, voilà, derrière. Voilà, je sais pas pourquoi il y a un trait, je sais pas. En général, j'ai gommé d'un coup et ça m'a fait un trait, mais je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, pour une de mes vidéos Pixar. Donc ça va faire 7 mois que j'ai pas fait de Pixar, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et bien sûr, c'est de nouveaux nouvelles, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour m'aider à avoir ces 15 000 abonnés. Voilà, donc c'est un nouveau cap sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis les gars, ciao pour une prochaine vidéo.